Ferme bien. Ta gueule. Ah, ça fait du calme. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle intro qui arrive. Bienvenue sur l'édition 2016 de The Mister Lui Apple. Qu'est-ce que je raconte? Bon, salut tout le monde, c'est The Mister Lui Apple. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle Lui-Vlog, le nouveau Lui-Vlog, parce que la nouvelle, non. Non, je ne suis pas nu. Nouveau Lui-Vlog, putain, de 2015, j'ai réussi. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler de choses incroyables, de pourquoi je n'ai pas été là les deux dernières. À peu près. Pourquoi il y a un nouveau ours dans cette vidéo? Pourquoi il y a un nouveau fauteuil de plus classe? Bon, ça c'est Noël, donc je vais pas t'expliquer. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Qu'est-ce qui va passer dans les Noël futurs? Qu'est-ce qui va se passer à 2016? Beaucoup de questions qui ont beaucoup de réponses. Alors c'est parti! Tout d'abord, pourquoi j'étais pas là? Parce que tout simplement, j'étais malade. Enfin, j'avais un rhume chelou qui bouffait des chips. Celle-là, précisément. Des magnifiques crunch chips. C'est pas ça la question, la vraie question c'est pourquoi j'étais malade? Parce que j'ai eu froid. Et ensuite la seconde question c'est j'ai pas tourné les vidéos parce que c'était une question. Parce que en fait j'avais pas le courage non plus en fait. C'est à dire début de semaine j'étais pas track mais ça allait et j'ai pas tourné de vidéo parce que pas l'envie vraiment et pas l'idée si vous voulez. Parce qu'il faut quand même une idée pour faire une vidéo, on va pas faire une vidéo comme ça, ça serait totalement con. On s'appelle pas Jimmy Labeu. la blague. Du coup, on ne fait pas que ça non plus. Et du coup, ouais. Enfin, je fais quand même cette vidéo sans avoir aucune idée. Donc, si, c'est pas mal. Mais voilà. Du coup, ce que j'aimerais... Je ne sais pas ce que je voulais dire. Alors, faut savoir quand même que c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Donc là, je commence à être à court d'idées, court d'argumentation dans ce que je veux dire. Donc c'est pas mal. Oui, c'est ça, j'étais malade. Je me suis perdu dans les idées. J'étais malade, oui, du coup, je me sentais pas très bien. Et en plus, ouais, voilà, j'étais pas super à fond dans mes projets. Et ouais, du coup, c'était pas super cool. Et là, Noël est passé, et puis cette maladie est passée. Donc j'ai fait une pause ordinateur slash Minecraft. Et du coup, ça m'a fait un peu de bien. J'ai geeké sur Mario Kart, faut l'avouer. Mais je suis toujours pas aussi fort. Mais par contre, j'ai fait une pause de l'ordinateur et ça m'a fait du bien, effectivement. Et ça me permet, ça me donnerait envie de foncer dans le tas, de refaire des trucs classe et cool et tout ça. J'ai re-eu plein d'idées pour Redwood alors que j'étais un peu un bloc là devant moi, un bloc en granit. Et je me disais, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Ça y est, j'ai une idée de ce que je vais faire. Je vais façonner ce bloc de granit et je vais en faire une statue de moi géante. Voilà, mon effigie. Enfin, c'est pas ça, faut imaginer, c'est une image, hein. On rigole. Terme exact. Exact. Très bien. Du coup, mais c'est plutôt cool, faut imaginer. Et imaginer, c'est quelque chose d'extraordinairement... Extraordinaire. Extraordinairement extraordinaire. Et du coup, voilà, on va pouvoir se remettre sur des bonnes bases. Par contre, il y aura une vidéo de Redwood toutes les deux semaines, sûrement, peut-être. Ce n'est pas encore sûr, mais peut-être, parfois. Et parfois, je vous dirais, ok, cette semaine, j'ai la flemme. Non, en fait, gros problème avec Redwood, c'est que les trois quarts du temps que je passe à faire mes vidéos Redwood, c'est trois quarts, c'est pour l'intro. Et c'est un petit bout, l'intro, forcément, c'est une intro. Donc, voilà. Et généralement, l'épisode, le reste, je le fais en 5 minutes. Enfin, en 15 minutes, c'est-à-dire le temps qui reste. Je sais pas si vous le ressentez, mais personnellement, moi je le ressens et ça me fait pas plaisir. Du coup, j'ai envie de prendre mon temps pour faire une intro de qualité plus un épisode de qualité. Du coup, on va prendre son temps. Je préfère laisser passer le temps. Alors, ouais, effectivement, du coup, le temps, ça me manque cruellement. C'est à cause du lycée. Alors, j'ai vu les mecs du lycée qui, dans ma dernière vidéo, ils ont regardé, ils ont fait. Tu te fous de notre gueule, on n'a jamais de travail. Effectivement, personnellement, je vais pas me plaindre. On va finir, on n'a pas beaucoup de travail à la maison. Et j'espère que mes profs regardent pas cette vidéo. Mais en tout cas, ouais. Le seul problème, c'est que moi, en fait, tous les soirs, je rentre à 19h. Et
je mange, enfin pas, je mange pas tout de suite, mais j'ai quelques minutes à attendre et puis je mange, donc ça coupe en plein, plus en plein milieu de la soirée. Putain, je viens de manger. Et du coup voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour moi non plus, donc j'aime bien aussi regarder des séries, enfin voilà, d'écouter juste de la musique, enfin voilà, des êtres humains. Pas forcément envie d'aller sur Redwood, de travailler, de lancer le replay mode, de faire un gros timelapse d'une grosse construction et de travailler sur le Pokémon Maker. Non, non, non. Et ça, vous comprenez totalement, j'en suis sûr. Enfin, j'ai déjà eu des commentaires de gens qui me disaient « Ouais, pas de problème !» Mais c'est parce que vraiment, c'est pas... J'ai pas trop le temps, hein, et voilà. Je préfère justement prendre mon temps sur des trucs, un peu, sauter un peu le planning, plutôt que de faire des truc trop condensé et qui soit trop de mauvaise qualité. Justement, je préfère privilégier la qualité à la quantité. Putain, c'est beau. Et du coup, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc maintenant, Redwood sera, ce sera voilà, peut-être une semaine sur deux. Ça dépendra des fois, ça dépendra si j'ai eu du temps ou pas. Si vous voyez pas d'épisode de dimanche, bah voilà, il n'y a pas eu de Redwood. Alors par contre, si. Ce que j'aimerais privilégier par contre, c'est avoir du contenu même s'il n'y en a pas. Ce qui est pas très logique. Enfin, ça veut dire, même s'il n'y a pas Redwood par exemple, eh bien, mettre autre chose, une autre vidéo. Donc je verrai, si de toute façon je vois bien. Hein. Si mercredi j'ai pas du tout le temps pour faire un Redwood, par contre j'ai clairement le temps pour faire une petite vidéo comme ça. Donc on testera de faire des vidéos sur d'autres jeux, ou sur des petits mini-jeux Minecraft, ou sur des petits trucs créatifs, ou sur d'autres trucs, on verra. Vraiment, ça, la vidéo. Les vidéos vides là du dimanche ou du mercredi quand il n'y a pas de Pokémon Maker ou du dimanche donc, quand il n'y a pas de Redwood, ce sera vraiment la vidéo où je fais ce que je veux, où, voilà. Là je me remets à jouer à des jeux, à d'autres jeux de Minecraft, donc pourquoi pas justement se mettre à ce genre de choses. Ça pourrait être rigolo, ça peut être plus sympa pour vous et tout ça. Pourquoi pas de vidéos IRL, bah justement là le Lua Vlog. Alors le Lua Vlog normalement il sort bah, le dimanche justement. Parce que j'ai loupé le coche. De Redwood, puisque j'étais malade. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, vous avez compris l'idée. Une petite vidéo rigolote comme ça, laissez votre avis en commentaire. Ce sera cool. Pour ce qui est de la série modée, on reste dans l'univers de planning. La série modée, elle avance bien. Je suis à une quarantaine de mods proposés, encore une fois, proposés toujours. Peut toujours avoir des trucs sympas. Maintenant, je vais regarder quand même avec attention les trucs, mais... Parce que je vais bientôt arrêter de concocter ce petit truc, parce que la semaine prochaine, enfin, cette semaine-là, je vais tester en fait les mods sur le serveur et tout, pour voir si ça fonctionne bien, si ça fonctionne bien. Bah, très bien, on commencera à tester la chose et puis après à tourner. Mais voilà, on fera ça dans la règle de l'art en janvier, j'allais dire juillet, ce qui aurait été un peu triste pour vous. Mais on va faire ça en janvier, mais je vais essayer de bien préparer ça, pour parce que c'est la première série modée de ma chaîne, et c'est ma première aventure modée à peu près, je crois... ma vie, enfin j'en avais fait des petites, mais voilà, là ça va être une grosse je pense quand même, avec plus de gens, avec plein de gens, on va essayer, peut-être pourquoi pas des gens Redwood, mais je sais pas encore qui participera, hein. Je vais essayer de prospecter, je pense qu'il y aura des potes, il y aura des potes de Redwood, il y aura des voilà des trucs comme ça, et puis après on va essayer de, pourquoi pas d'essayer de, qu'il y ait vous, des gens, des abonnés qui viennent, alors on va vous demander de vous y connaître un petit peu, il y aura des candidatures, alors cette fois ce sera pas des candidatures de construction, mais il y en a déjà qui ont participé, pour faire des aventures survie en fait avec nous, alors que c'est pas vraiment ce qu'on demandait. Mais là c'est plus ce qu'on va demander justement. Donc tout le monde pourra tenter sa chance, je pense. Il faudra juste être sympathique. Ce sera la règle première. Et rigolo, parce qu'on aime bien les gens rigolos. Et ouverts. Parce qu'on aime bien. Les gens ouverts. Bref, du coup voilà, beaucoup de qualité attendue, aussi d'être abonné à ma chaîne, très important, et très important, on rigole beaucoup dans cette vidéo, ha ha ha, je rigole aussi petit, j'essaye d'attraper mon ours dégueulasse de Noël, mon ours dégueulasse de Noël que j'ai depuis tout petit, et du coup voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci! Vous êtes 1600 abonnés sur la chaîne! 1600! Et vous êtes de plus en plus, c'est ça qui est affolant. Et aussi, les 1600 ont été atteints le jour de Noël! C'était mon petit cadeau personnel, donc merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Ça me donne envie de faire des vidéos, ça me donne envie de malade. Et du coup, en parlant de Noël aussi, qu'est-ce que j'ai eu? Donc j'ai eu ce magnifique... fauteuil, ça s'appelle un fauteuil. J'ai aussi eu un SSD, alors pour ceux qui connaissent pas un SSD, tiens, j'ai encore un poids ici.
C'est une carte comme ça qu'on branche sur l'ordi et qui sert en fait un peu comme un disque dur et qui permet en fait de mettre Windows sur ce disque dur et donc Windows fonctionne plus vite. Et voilà, donc j'en avais pas et mon ordi ramait un truc de malade et là je l'ai et du coup en plus ça m'a permis de passer sur Windows 10 parce que j'étais encore sous Windows 7. Et franchement du coup ça me donne envie de faire des vidéos, ce nouveau ce nouvel environnement de travail qui est propre et tout. Du coup ouais qui est rapide. Tout à l'heure mon ordi il s'est éteint tout seul, je sais pas pourquoi, il s'est rallumé en 5 secondes, j'ai fait waouh, c'était plutôt pas mal. Du coup ouais ça ferait vraiment du bien d'avoir ça. Waouh. Et du coup ça me donne envie de faire des vidéos vraiment. Je suis tout de suite allé sur ma Redwood et j'ai tout de suite retravaillé des petits trucs et tout, corrigé des choses, ça m'a tout de suite donné envie de travailler. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup voilà, du coup c'est quand même la troisième fois que je parle, donc j'ai quand même vérifié que ça tourne, parce que ça me fait chier. La première fois c'est ce micro qui bug, et ensuite c'est la caméra, il faut arrêter de foutre la gueule. Là ça va être quoi, ça va être toi qui s'arrête en plein milieu, c'est pas trop grave ça limite. Du coup voilà, je crois que j'ai fait le tour, alors qu'est-ce que je prévois pour 2016? Les mêmes bases. Bon là on est sur des bonnes bases, je pense quand même, le planning, tenir le planning. Enfin, je pense que... Ah ouais, parce que s'il y a un... Je pense à ça, s'il y a une résolution à prendre, c'est ça, c'est tenir le planning, tenir la chaîne, essayer de l'améliorer encore plus qu'elle ne l'est. Avoir d'autres projets. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées d'autres projets comme ça. J'ai pas trop d'idées d'autres séries, à part la série modée. Et peut-être une série créative dans l'année, ça pourrait être pas mal. J'aimerais bien remettre un petit let's build. De deux familles, pas très travaillées, juste comme ça, pour construire ensemble, ça pourrait être sympa. Voilà, pour ceux qui veulent, hein, forcément, je suis pas obligé de ça à tout le monde. Mais voilà, pour ce qui est des lives, si par contre les lives, il va falloir que j'augmente là, un peu la qualité. Alors le problème, ouais, c'est là, par contre, la qualité vidéo, ça va être compliqué à augmenter. Ça dépend de ma connexion, malheureusement, on peut pas vraiment changer ça, je vais pas aller à chercher la fibre pour l'amener jusque chez moi, ça va être un peu compliqué donc. Il va falloir faire avec, et déjà j'ai une connexion pour live, c'est déjà beau, hein, putain. Et voilà, du coup pour les lives par contre cette semaine ça va être un peu comme je veux, parce que j'ai le temps. Du coup on va voir, on va le faire, je le préviendrai le matin, je peux dire. Sauf si je fais des lives le matin, mais ça m'étonnerait, bref, voilà. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-là sera bonne, parce que fou. Je ne tourne pas, sinon il n'y aura pas de vlog, tant pis pour vous, ça me ferait chier quand même. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite et pour d'autres vidéos les amis. A plus tout le monde, et on se laisse avec notre ami, l'ours de Noël. Allez, à plus tout le monde. Tu te fous de ma gueule? J'avais dit que ce serait lui qui buguait. Qu'est-ce que c'est rigolo !